Merci infiniment, bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue à ce 20e webinaire organisé par études.ci. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver. Ce sera un webinaire tout aussi instructif qu'intéressant parce que le thème que nous allons voir développer notre expert aujourd'hui est un thème assez intéressant. Comment créer et entretenir sa communauté en ligne. Et ce sera donc développé par une dame que nous connaissons et dont nous sommes persuadés de la compétence. Il s'agit d'Edith Brou. Elle est blogueuse et chroniqueuse TV. Alors, pour introduire ce webinaire, vous savez, mesdames et messieurs, en quelques minutes seulement, nous pouvons créer un compte sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou encore sur LinkedIn. Mais pour le faire exister, il va falloir ensuite publier et susciter l'adhésion d'une communauté fiable autour de notre entreprise. Et cette stratégie va prendre du temps, demander un engagement quotidien sur les réseaux sociaux. Et donc, ça demande assez de travail et assez de créativité. Donc, aujourd'hui, nous avons une experte, une spécialiste avec nous qui va nous aider à comprendre mieux les choses. Edith Brou est avec nous. Voilà, on va la voir apparaître dans quelques instants seulement sur notre écran et on pourra échanger avec elle. Bonjour. Voilà. Bonjour Edith. Bonjour Yannick. C'est un réel plaisir pour nous de te recevoir à ce webinaire, ce 20e webinaire d'études.ci. Voilà. Et de partager également. Voilà, bien évidemment. Comment créer et entretenir sa communauté en ligne? C'est un thème qui te parle forcément, toi qui as su bâtir une communauté en ligne autour de tes valeurs, autour de ta passion. Et donc déjà, j'aimerais t'arracher un premier mot. Déjà à chaud, qu'est-ce que ce thème-là te fait penser tout de suite? La communauté, c'est elle qui nous permet de nous construire. Hein. De toute façon, même dans un village, on ne peut pas évoluer seul, on ne peut pas grandir seul. Je crois qu'il y a une phrase, une citation qui dit que on ne peut pas élever un enfant élevé par tout un village. Désolée pour les bruits, hein, il y a le bébé qui se manifeste. Donc, comme je disais, un enfant dans un village, c'est toute la communauté qui l'élève et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Quand vous décidez de vous connecter, de créer vos profils de réseaux sociaux, pour grandir, vous êtes obligé d'avoir une communauté qui vous soutient. C'est cette même communauté qui peut vous faire avancer, qui peut vous faire décoller, mais c'est aussi cette même communauté qui peut vous descendre, qui peut vous faire sortir des réseaux complètement, qui peut détruire votre réputation, qui peut, détruire votre réputation numérique. Donc, vous avez besoin de cette communauté pour grandir. C'est essentiel, la communauté est essentielle, en fait. D'accord. Merci infiniment, Edith. Alors, tout à l'heure, dans quelques instants, tu vas nous faire une présentation PowerPoint avec un partage de ton écran pour nous présenter ces choses-là que tu as préparées depuis quelques semaines. Mais moi, j'ai une question là tout de suite. Edith, on te voit très occupée. Tu travailles en tant que chroniqueuse dans une chaîne de télévision. Tu as une vie de famille. Mais on te voit également très connectée, très en phase avec tes followers. Comment est-ce que tu trouves le temps pour entretenir ta communauté avec toutes ces occupations qui sont les tiennes? Bon, c'est comme un travail. Oui, on peut dire que c'est comme un travail. C'est la routine, en fait. C'est la routine de la même manière qu'on entretient ses relations avec ses amis, sa famille. C'est de cette même manière qu'on entretient ses relations également avec sa communauté. Et puis, bon, je fais de la veille. Hein, donc, quand je fais de la veille, je suis sur les réseaux sociaux. Quand je me lève le matin pour voir ce qui s'est passé la veille. Donc, forcément, je vais voir les commentaires des gens. Je vais forcément voir des contenus qui me plaisent, qui me font sourire. Comme j'aime beaucoup rire, je vais faire des contenus qui vont être intéressants pour ma communauté parce que je sais que ma communauté aussi aime rire. Bon, les Ivoiriens aiment bien se marrer, aiment bien se moquer. Bien sûr. Et en général, voilà, je vais partager les contenus d'abord qui me plaisent et de contenus qui sont utiles pour moi et que je pense utiles pour ma communauté. Et puis, des contenus un peu drôles qui vont aussi permettre à ma communauté de se détendre, de rigoler. Parce qu'en même temps, je suis à la fois sur des contenus sérieux, engageants, qui parlent d'employabilité des jeunes, qui parlent de développement social, qui parlent de politique sociale, qui parlent de technologie. Mais en même temps, j'aime bien des sujets un peu drôles. J'aime bien le sarcasme. Et donc, j'aime bien partager des contenus sarcastiques en général aussi. Donc, c'est ce qui me permet en général, tout au long de la journée, une fois que je clique, que je me connecte, de pouvoir interagir avec cette même communauté-là qui me suit depuis, pour certains, de nombreuses années. D'accord. Alors, merci infiniment à tous ceux qui nous rejoignent, à nos chers internautes. Soyez la bienvenue. On partage le direct, hein, comme aiment à le dire nos chers influenceurs. On partage le direct. Mettez les cœurs. Mettez le cœur, parce que c'est un sujet très important. Nous sommes à l'ère du digital, à l'ère du numérique. Et nous sommes tous appelés à développer, pour quelques raisons que ce soit, une communauté en ligne, soit pour le business, soit pour nos activités personnelles. Et donc, aujourd'hui, on va parler de choses assez intéressantes. Edith, nous te laissons toute la place pour nous faire ta présentation sur ce thème qui, je le rappelle, est le suivant. Comment créer et obtenir sa communauté en ligne. À tout à l'heure. Ça marche. Donc, j'ai 1 heure, c'est ça ou... C'est quoi, 45 minutes 45 minutes. J'ai besoin d'une timer. 45 minutes, c'est ça, 45 minutes. Ok, d'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Yannick. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois Joël, je vois Mohamed, je vois Toupati, je vois Sandrine. Bonjour à vous. Excellent samedi. Donc, la thématique d'aujourd'hui, comment créer et entretenir sa communauté en ligne. J'ai eu déjà à m'entretenir sur ce sujet rapidement avec Yannick, vous donner un peu un avant-goût de comment j'interagis avec ma communauté. L'objectif de cette session, c'est vraiment surtout de vous partager mon expérience. Au-delà de vous donner les bases, c'est de vous partager mon expérience parce que de toute façon, les contenus, ils sont disponibles en ligne. Je veux dire, quand je parle de contenu, je parle de conseils, hein, je parle de tips, tout est disponible en ligne. Je ne vais en gris rien vous apprendre, mais là où je peux vous apporter de la valeur ajoutée, c'est mon expérience. Donc, lorsqu'on parle de communauté, c'est ce que je disais, c'est cette même communauté en fait qui vous permet de grandir. On ne naît pas tout seul, on est dans une communauté. On est dans une famille. La famille, c'est notre première communauté. La famille nucléaire, c'est notre première communauté. La famille élargie également, c'est notre première communauté. Ensuite, on a d'autres communautés qui se développent. Donc, à l'école, lorsqu'on commence à aller à l'école, lorsqu'on commence à aller au collège, au lycée, ensuite à l'université. Et après, on a une autre communauté encore qu'on découvre, la communauté au travail, nos collègues, nos patrons, nos supérieurs hiérarchiques, ou bien même quand on crée son entreprise, nos collègues, nos employés, par exemple. Donc, au fur et à mesure, à différentes étapes de notre vie, on se confronte à des communautés. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Donc, moi, comme je l'ai dit, hein, je l'ai écrit ici, je dois tout à ma communauté. C'est grâce à cette communauté depuis 2009, puisque j'ai commencé à vraiment utiliser les réseaux sociaux, principalement à cette époque. Facebook était né déjà en 2007. Je crois que j'ai commencé à l'utiliser à partir de cette période. Mais je pense que c'est vraiment en 2009 que j'ai vraiment commencé à développer ma communauté. Et donc, voilà, j'ai vu cette communauté grandir au fur et à mesure. D'abord sur Facebook, parce que c'était vraiment le premier que j'utilisais réellement. C'est vrai qu'avant Facebook, il y avait High Five. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez connu High Five, mais à cette époque, j'utilisais High Five. C'est vraiment l'un des réseaux sociaux préhistoriques de cette époque. Mais vraiment, sur iFab, on n'avait pas vraiment de communauté. On n'interagissait pas comme on interagit maintenant sur des réseaux sociaux tels que Twitter, tels que Facebook, tels que Instagram. Et donc, grâce à cette communauté, j'ai commencé un peu à développer cette notoriété que vous connaissez aujourd'hui. Cette communauté m'apporte énormément. Elle m'a toujours apporté dès le départ. Mais comme j'aime à le dire, il faut appliquer la stratégie du give to get. Give en anglais, c'est donner. Et get, c'est recevoir. Donc, avec votre communauté, vous êtes obligé de donner pour recevoir. C'est très important. Donc, comme je le dis, c'est en tout. Une communauté, c'est vraiment celle qui vous permet d'avancer, de décoller. Vous devez respecter votre communauté. Vous devez entretenir votre communauté. Vous devrez chérir votre communauté. Vous devez nourrir votre communauté. Ça, c'est une des phrases qu'un de mes jeunes frères et anciens collaborateurs, Daniel Ouedraogo, qui travaille à l'UNICEF en Afghanistan, aime répéter. Feed your community. Nourrissez votre communauté. Ma mère, tu nourris ta communauté. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire au quotidien, nourrir ma communauté. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Et je vais vous montrer comment nourrir votre communauté. D'abord, pourquoi utiliser les réseaux sociaux? De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. À l'ère d'Internet, à l'ère du digital et surtout de génération, vous n'avez pas d'autre choix que d'être sur les réseaux sociaux pour communiquer, pour interagir, pour développer votre présence numérique. Les réseaux sociaux permettent donc, selon que vous soyez une personne physique ou une personne morale, quand je parle de personne morale, je parle d'entreprise, les réseaux sociaux vous permettent d'augmenter votre visibilité, votre notoriété. Après, ce n'est pas forcément une obligation d'être présent sur Internet, mais si vous voulez développer votre business, si vous voulez développer votre notoriété, votre identité numérique, vous n'avez pas d'autre choix. De toute façon, même si vous ne voulez pas, vous serez forcément toujours sur Internet parce que même quand vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, même quand vous n'êtes pas sur Internet, il y a forcément quelqu'un qui parle de vous sur Internet. Donc, autant être présent sur les réseaux sociaux pour contrôler votre image, pour contrôler ce qui se dit de vous. Et aussi, les réseaux sociaux vous permettent d'améliorer aussi, si vous avez un site web, si vous avez un blog, les réseaux sociaux, votre présence sur les réseaux sociaux vous permettent d'améliorer votre référencement. Quand on parle de référencement, c'est de pouvoir apparaître sur la première page de Google. Si vous remarquez, lorsque vous faites une recherche sur Google, il y a énormément de pages, mais ceux qui sont les mieux référencés, ce sont ceux qui sont sur la première page de Google. Et le fait d'avoir une présence bien contrôlée sur Facebook ou Instagram ou Twitter pour faire la promotion de votre blog ou bien de votre site vous permet d'améliorer votre popularité et surtout d'améliorer votre référencement. Les médias, les réseaux sociaux également vous permettent d'acquérir beaucoup plus de trafic. C'est indéniable parce que plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes susceptible d'avoir beaucoup plus de trafic sur votre site de e-commerce pour ceux qui font du business, qui ont une page ou un site de e-commerce. Ceux qui vendent par exemple sur Facebook, votre présence sur les réseaux sociaux vous permet d'améliorer votre trafic et de développer votre business. Également, Facebook et les autres réseaux sociaux permettent d'avoir également une meilleure gestion de votre relation client en temps réel. J'imagine, hein, quand vous allez sur un compte comme celui de la CIE ou un compte comme celui de Wave ou d'Orange, vous attendez à ce que on vous réponde en temps réel à votre préoccupation. C'est pareil. Si vous décidez de vendre des beignets, si vous décidez de vendre du jus ou de vendre des vêtements sur Facebook, sur Instagram, vos clients ou vos potentiels clients s'attendent à ce que vous ayez un service de relation client qui soit opérationnel en temps réel, qui soit très réactif. Et c'est ce que vous permet de faire Internet. Et enfin, développer et gérer votre e-réputation. C'est essentiel. Être présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous permet d'améliorer la gestion de votre e-réputation, de l'accroître et surtout de la surveiller parce qu'à tout moment, vous pouvez faire l'objet d'un bad buzz. Et c'est important d'être connecté à vos réseaux sociaux, de les surveiller, d'avoir une stratégie pour pouvoir gérer au mieux votre e-réputation. Revenons à la communauté. La définition la plus simple, c'est que la communauté est un ensemble de personnes développant des interactions sociales, des échanges, des discussions autour d'un thème, d'un même centre d'intérêt, d'un personnage. On peut par exemple développer une communauté, un groupe Facebook autour d'Olivia Yacé parce qu'on adore Olivia Yacé. On peut développer une communauté autour d'une marque qu'on adore comme par exemple, je sais pas, Nike ou Adidas ou ce genre de choses. Donc en fait, la communauté, c'est vraiment des personnes qui interagissent ensemble autour de mêmes valeurs, autour de discussions, autour d'un même centre d'intérêt. Et c'est ce que nos communautés veulent faire également avec les interactions qu'elles vont avoir sur nos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, et voilà. Une chose à retenir et qui est très importante lorsque vous voulez engager votre communauté, lorsque vous voulez développer votre communauté, mais surtout lorsque vous voulez la comprendre, parce que c'est bien d'avoir une communauté, mais c'est important de pouvoir comprendre cette communauté, de pouvoir comprendre comment cette communauté réfléchit. Parce que, n'oubliez pas, hein, on parle souvent de phénomène de foule, de l'impact de la foule. Autant une foule dans un concert, peut-être celle qui vous acclame, autant cette même foule, lorsqu'il y a, une bousculade, lorsqu'il y a un peu d'hésitation ou un mauvais signal, cette même foule est capable, sur la base de mauvaises informations ou bien d'une rumeur, de tuer quelqu'un. On parle de lynchage. Je pense que vous connaissez ce phénomène. Et le lynchage part de la foule. Donc, c'est important de pouvoir comprendre comment fonctionne votre communauté en général sur les réseaux sociaux. Et ça, ça passe par la compréhension de la règle des 90, 9, 1%. C'est-à-dire que 90% de votre communauté vous écoute. Ça, c'est important. 90%. Même si c'est vrai que c'est pas tout le temps, mais en général, dans vos abonnés, la plupart, en tout cas, environ 90% vous écoutent. Elle n'interagit pas forcément, mais elle est à l'écoute de ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux. 9% va certainement intervenir dans les conversations. Donc, quand je parle d'intervention dans les conversations, ce sont les commentaires, ce sont les likes, les pouces bleus ou les cœurs ou ce genre de choses, ou bien une émoticône de colère. Mais 9% en moyenne interviendront dans les conversations que vous aurez suscitées à travers vos publications. Et enfin, il y a le 1, les 1%. Les 1% qui vont s'engager. Quand je dis vraiment s'engager, c'est-à-dire que vous allez forcément retrouver à un moment donné, au fur et à mesure de vos publications, vous allez forcément tomber sur des personnes, des fans en griffe, qui vont intervenir régulièrement, qui seront vraiment des fans réguliers, ce qu'on appelle les super fans, qui vont être là à vous soutenir, à commenter à chaque fois que vous publiez, à être les premiers à liker à chaque fois que vous publiez. Ils sont 1% en général. Et c'est 1% que vous pouvez capitaliser. Quand je parle de capitaliser sur les 1% des membres de votre communauté sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, de faire un meet-up, c'est-à-dire de rencontrer vos fans dans un café, dans un restaurant, pour un peu les remercier pour leur engagement, c'est sur ces 1%-là que vous pouvez vous baser d'abord. Donc, il faut les identifier. Moi, je sais que j'ai certains, parmi ces 1% que j'ai déjà identifiés, qui sont là, qui sont présents, qui interagissent régulièrement, qui envoient des messages, que je rencontre de temps en temps dans la vie réelle, les 1%, à qui vous pouvez envoyer une invitation pour participer à un événement que vous organisez. C'est 1% à qui vous pouvez envoyer des messages de bon anniversaire parce que vous les suivez également. Retenez que c'est sur ces 1% là que vous pourrez compter, principalement d'abord Lorsque vous aurez, par exemple, un bad buzz sur les réseaux sociaux, ou bien lorsque vous aurez besoin, par exemple, de parler d'une activité qui vous tient à cœur ou ce genre de choses. Donc, 90% de votre communauté vous écoute, elle vous entend, mais elle n'interagit pas forcément avec vous. Donc, ce sont, il peut y avoir des passifs, des actifs dans ces 90%. Les 9% vont intervenir dans les discussions, vont interagir, vont mettre des likes ou ce genre de choses. Ils vont commenter aussi de temps en temps. Et enfin, les 1%, c'est votre socle, c'est votre base solide de super fans. Ce sont eux qui interagissent, qui commentent. C'est-à-dire que quand ils commentent, même si, par exemple, quelqu'un pose une question et que vous n'êtes pas devant votre ordinateur ou sur votre téléphone pour commenter, pour répondre, eux, ils vont le faire pour vous. Et ça, j'ai eu à le voir lorsqu'on gérait les réseaux sociaux de marques, de brands comme Orange ou d'autres marques comme des banques. Il y a toujours 1%, dans les 1% là, qui vont, quand vous n'êtes même pas présent en tant que community manager pour réagir, eux, ils vont réagir à votre place pour répondre, pour apporter des explications, pour apporter des compléments d'information à votre place, parce qu'ils sont super engagés avec vous. Et donc, vraiment, bâtissez aussi votre stratégie sur ces 1% pour les entretenir, pour les maintenir, pour les valoriser également, parce que lorsque vous avez un problème, ces 1%-là peut vous être très utile. Donc, n'oubliez jamais la règle de 90, 9, 1%. Donc, 90% de votre communauté qui vous écoute. Même s'ils ne sont pas actifs, ils sont passifs, ils vous écoutent. Les 9% qui interviennent dans les conversations et les 1% qui s'engagent. Parlons d'engagement. La communauté, c'est l'engagement. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est grâce à la communauté que vous avez de l'engagement sur vos réseaux sociaux. Que vous soyez une personnalité publique, que vous soyez une marque, que vous ayez une page de vente de produits de beauté ou une page de vente de vêtements pour enfants, la communauté, c'est elle qui suscite l'engagement sur vos réseaux sociaux. Donc, on va essayer de décortiquer un peu les différents types d'engagement sur les médias, les réseaux sociaux. Il y a la masse, donc c'est l'ensemble des utilisateurs des médias sociaux, donc c'est quasiment tout le monde. J'ai parlé de passif. On peut dire passif, on peut dire inactif. C'est-à-dire que les inactifs, ce sont eux, ceux qui aiment votre page. Ils sont présents sur vos réseaux sociaux, sur vos différents profils de réseaux sociaux, mais ils n'interagissent pas réellement, en fait. Très rarement, en tout cas. Mais ils vont voir, ils vont être touchés. C'est ce qu'on appelle en général, c'est ce qui permet d'avoir l'impression sur vos réseaux sociaux, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu, mais qui n'ont pas forcément interagi, en fait. Les passifs, donc, qui prennent simplement connaissance de vos publications, qui apparaissent dans le fil d'actualité, ils voient, ils sont informés, mais ils ne vont pas cliquer, ils ne vont pas liker, ils ne vont pas partager, ils ne vont pas retweeter, ou ce genre de choses. Il y a les cliqueurs. Donc, il y a ceux qui cliquent sur vos publications pour savoir plus, mais sans plus. Ils vont cliquer, mais ils ne vont pas forcément interagir. Il y a ceux qui partagent. Donc, on griffe les partageurs. Ils partagent vos publications à tout moment, ils relaient et tout. Et ça, vraiment, c'est le vrai niveau d'engagement qui commence. Il y a les commentateurs, il y a ceux qui commentent, qui discutent de vos publications, qui même s'ils n'écrivent pas forcément, vont mettre des émoticônes pour dire qu'ils ont vu, pour dire qu'ils ont lu, pour dire qu'ils n'ont pas aimé ou qu'ils ont aimé, par exemple. Il y a ceux qui contribuent. Donc, il y en a qui vont créer même du contenu autour de votre marque ou de votre image. Quand je parle de ceux qui contribuent, on va voir le terme, on appelle ça « user-generated content », UGC, pardon. C'est-à-dire que quand je parle de contributeurs, vous allez voir, par exemple, des personnes, si une personne aime, par exemple, Toupati Maya que je vois connectée, cette personne-là qui est peut-être un dessinateur, va faire un dessin de Toupati Maya pour dire qu'il apprécie Toupati Maya. Donc, il va faire un dessin, il va taguer Toupati Maya sur ce dessin pour que cette personne qu'il apprécie puisse voir son dessin en espérant qu'elle va partager son dessin à sa communauté, par exemple. Lorsqu'on parle de contributeurs, il y a ceux qui vont interagir, qui vont créer du contenu pour la marque, par exemple. Ceux qui sont fans de Nike ou de Adidas, vont certainement créer des sneakers de leur propre création et taguer la marque, par exemple, ce genre de choses. Donc, il y a les contributeurs et ceux-là sont très importants aussi. C'est-à-dire que lorsque vous organisez un concours, un jeu concours, vous pouvez compter sur ces contributeurs-là pour pouvoir réagir avec du vrai contenu qui va alimenter vos réseaux sociaux. Il y a également ceux qui animent. Donc, j'ai dit en fait tout à l'heure, parmi les 1%, en fait, dans les 1%, vous avez ces animateurs-là qui font partie des 1%. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas connecté, pour répondre à un commentaire d'un membre de votre communauté qui a posé une question et pour lequel vous n'étiez pas disponible à ce moment précis sur la page, votre page, que vous soyez une marque de téléphonie mobile ou bien que vous soyez juste un utilisateur lambda, parmi ces 1%-là, ces animateurs-là vont répondre à votre place et donner l'information aux autres membres de la communauté. Donc, il est important dans votre communauté, pour avoir de l'engagement, d'avoir des animateurs et de les identifier et souvent de les remercier quand ils font ça. C'est très important, surtout quand vous avez une marque. C'est-à-dire que, nous, je crois qu'on le faisait aussi à l'époque, hein, quand on gérait les réseaux sociaux d'Orange, on avait beaucoup d'animateurs à qui on n'avait rien demandé, mais qui répondaient aux commentaires. Et on a suggéré à Orange, à ce moment précis-là, de créer un événement pour les ambassadeurs. On a appelé ça le meet-up des ambassadeurs. En tout cas, on avait trouvé un nom, en fait, un ennemi, pour pouvoir vraiment les remercier. Et ils ont exécuté, ils ont fait. Parlant d'ambassadeurs, donc on y vient, c'est ceux-là même qui prennent votre défense. Et souvent, dans les animateurs, on a des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils prennent votre défense, quand il y a un bad buzz, ils vont dire non, on soutient cette personne, on soutient cette marque, nous on est avec cette marque, ils vont se faire les porte-parole de votre business, de votre site de e-commerce, ou bien de votre marque, ou bien de vous-même. Et il est important en tout cas d'avoir aussi des ambassadeurs, de les identifier. Donc voici un peu les différents niveaux, hein, les 9 types d'engagement que vous pouvez avoir sur vos réseaux sociaux. Il faut pouvoir les connaître, les comprendre, savoir qui est inactif, savoir qui est passif, qui sont les cliqueurs, qui sont ceux qui partagent, qui sont ceux qui commentent le plus, savoir qui sont ceux qui contribuent en dehors même de vos réseaux sociaux, mais qui contribuent à créer du contenu autour de votre marque, autour de votre image, savoir ceux qui sont là pour animer, pour répondre aux commentaires à votre place, et connaître également parmi ces animateurs-là et ces contributeurs, identifier des ambassadeurs en fait. On vient maintenant au sujet principal, hein, comment créer sa communauté en ligne. Vraiment, ça va être surtout basé sur ma modeste expérience dans ce domaine. Je me suis rendu compte qu'au fil des années, en fait, il y a différentes étapes. Mais en général, ce n'est pas des étapes, on va dire, successives. Il faut les faire en même temps, au même moment. D'abord, il faut pouvoir développer une ligne éditoriale. Lorsque vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux, il faut savoir déjà même pourquoi vous vous lancez sur les réseaux sociaux, pourquoi vous décidez d'avoir une certaine ligne de conduite, dans quel objectif. Est-ce qu'il s'agit par exemple de développer votre notoriété, de développer votre expertise et de parler de votre expertise. Par exemple, si vous êtes un expert en pâtisserie, par exemple, si vous êtes un expert dans la beauté, ou si vous êtes un expert, par exemple, dans les jeux vidéo, il faut pouvoir savoir pourquoi vous décidez d'avoir une véritable stratégie en ligne. Donc, il faut identifier une bonne ligne éditoriale authentique qui vous définit. Il faut vous démarquer, c'est important. Il faut pouvoir vous démarquer des autres. Il faut montrer en fait que c'est vrai que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais vous êtes unique aussi. Vous avez votre manière de fonctionner, donc il faut pouvoir vous démarquer. C'est très important. J'ai parlé de contributeurs. Il faut encourager aussi le contenu généré par les utilisateurs. C'est important. Ça, c'est surtout quand on est une marque. Parce que autant je m'adresse à des personnes physiques, mais je pense que parmi vous, il y a des businessmen, il y a des businesswomen. Il est important de pouvoir encourager le contenu généré par les utilisateurs. Je dis contenu généré par les utilisateurs. Si, par exemple, vous avez une marque de beauté, des crèmes de karité, de beurre de karité, et que vous avez envie de développer de nouvelles étiquettes pour votre marque de beurre de karité, incitez les utilisateurs à choisir, par exemple, parmi deux modèles de beurre de karité de votre marque. Et ça, le fait qu'ils se sentent impliqués dans le choix du nouveau visuel de votre marque de beurre de karité, ça peut susciter de l'engagement pour eux. Et ça peut également les fidéliser d'une certaine manière, de se sentir impliqués dans le processus de création de votre marque. Que vous soyez une marque ou pas, hein, que vous soyez une personne physique, comme moi par exemple, essayez de temps en temps de pouvoir poser des questions à ces utilisateurs de ce qu'ils pensent de votre business ou de votre marque par exemple. Aussi, autant que possible, même si ce n'est pas évident, parce que plus votre communauté est grande, plus vous recevez beaucoup de commentaires, plus il est difficile de répondre à ces commentaires. Mais quand vous démarrez petit, quand vous n'avez pas forcément une communauté importante, essayez autant que faire se peut de répondre aux commentaires les plus pertinents. En tout cas, les plus pertinents, parce que on n'a que 24 heures dans une journée. On a, en dehors des réseaux sociaux, on a une vie, on a un agenda, on est occupé, il y a la famille. Mais quand vous êtes présent, essayez d'identifier les commentaires les plus pertinents pour répondre de temps en temps. C'est important, ça montre à votre audience que vous suivez, que vous êtes présent. Ça montre à votre audience, à votre communauté, que vous la suivez, que vous la comprenez. Donc, autant que faire se peut. Ce n'est pas forcément une exigence, mais c'est quand même nécessaire de pouvoir autant que possible répondre à votre communauté et tout. Aussi, pour susciter de l'engagement, lorsque vous créez votre communauté, n'hésitez pas, quand vous faites des publications Facebook ou Instagram ou Twitter, à poser des questions. Vous avez parlé d'un nouveau produit, ou bien vous avez parlé, par exemple, d'une loi qui a été votée et tout. Demandez à votre communauté ce qu'elle en pense, pour voir un peu ses réactions. Engagez votre communauté. Posez des questions à votre communauté. C'est une manière de l'engager, en fait, à interagir, à se sentir utile, à ce qu'elle contribue également. Donc, posez des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un choix judicieux? Est-ce qu'on devrait faire comme ci? Est-ce qu'on devrait faire comme ça? Est-ce qu'ils devraient faire différemment? Pourquoi les éléphants ne sont pas aussi compétitifs? Posez des questions à votre communauté, c'est important. Et puis aussi, lorsque vous publiez, lorsque vous faites des publications, autant que faire se peut également, utilisez des visuels. Les visuels sont très engageants. Les visuels suscitent beaucoup de réactions aussi, que ce soit des images ou que ce soit des vidéos. Surtout quand c'est de bonne qualité, ça suscite de l'engagement. Donc, il y a plein de banques d'images. En tout cas, si ce n'est pas des photos venant de vous, il y a plein de banques d'images qui sont disponibles gratuitement en ligne pour pouvoir utiliser des images libres de droit ou des vidéos libres de droit. Moi, j'utilise fréquemment Iwaria, Iwaria. C'est une banque d'images africaine gratuite. Donc, quand, par exemple, je veux publier des offres d'emploi ou je veux publier des demandes d'emploi et tout ça, en général, je vais sur iwaria.com pour pouvoir trouver des images, pour pouvoir illustrer mes publications, par exemple. Mais sinon, quand vous construisez votre communauté, mettez-vous en avant. En tout cas, si vous avez envie de vous mettre en avant, prenez des photos de vous quand vous travaillez, ou bien quand vous participez à un voyage, ou ce genre de choses, par exemple. Ou bien quand vous voyagez, parlez de choses que vous avez vues, qui vous ont touché, qui vous ont marqué, par exemple. Ensuite, publiez fréquemment. Quand je dis publier fréquemment, par exemple, 2 fois dans la journée, 3 fois dans la journée, par exemple. Mais ça dépend des réseaux sociaux, hein. Par exemple, sur Facebook, en moyenne, je publie au maximum 3 à 4 fois par jour. Sinon, 2 fois, c'est suffisant. Maintenant, sur Twitter, c'est beaucoup plus. Parce que Twitter, c'est vraiment un réseau social chronologique, en fait. Donc, en temps réel, vous publiez presque beaucoup plus que Facebook. En général, je pense que sur Twitter, je publie on peut dire une vingtaine de fois dans la journée. Tout dépend de l'actualité, tout dépend des contenus que je vois qui m'intéressent. Mais je pense que je publie en général une vingtaine de fois. Ça inclut les retweets aussi. Donc, soit je publie moi-même, soit je retweet simplement, ou je retweet avec un commentaire. Et sur LinkedIn, je pense que je publie pareil que sur Facebook, en moyenne 2 à 3 fois dans la journée. Sur Facebook et sur LinkedIn, faut pas trop bombarder les gens aussi de publications. Je pense que 4 publications maximum, ça suffit largement à engager votre communauté. En tout cas, de mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, sur Twitter, vous êtes obligé en tout cas de publier, d'être pertinent et de publier. Voilà. Et puis, faites rire. Ce que je disais au début quand Yannick me posait la question, tout dépend de votre secteur d'activité, hein, que vous soyez un site vous ayez un business de vente de vêtements ou de produits de beauté, ou bien que vous soyez dans le BTP, de temps en temps, lâchez un petit truc qui suscite un peu de sourire. Ça plaît toujours. Qu'importe votre domaine, un peu de temps en temps, placez un peu une thématique, une publication qui fait sourire. Ça crée aussi de l'engagement. Mettons, moi, en général, comme j'aime bien rigoler, je sais que je peux me permettre de faire ça. En tout cas, quand un sujet me fait rire, je le partage. Et ça engage beaucoup la communauté parce qu'elle va forcément partager, elle va forcément retweeter. Ensuite, ça, je le fais moins, mais tout dépend de votre secteur d'activité. Si vous êtes, par exemple, un coach, comme on le voit, hein, les coachs, ils sont tendance en ce moment, ou bien que vous soyez un artiste, ou bien que vous, par exemple, ayez une marque de vêtements, vous pouvez créer des vidéos en direct où vous montrez en exclusivité les nouveaux vêtements de votre collection. Même vous pouvez faire même un défilé avec un live Facebook, un défilé de votre nouvelle collection de vêtements, de votre nouvel arrivage de vêtements, ou bien faire un live Facebook de votre nouvel arrivage de produits de beauté. Ça, c'est très engageant également et ça permet de pouvoir construire aussi sa communauté parce que si chaque vendredi soir à 19h, vous faites une vidéo live de vos nouveaux produits ou bien de coaching, c'est un bon moyen de pouvoir engager votre communauté, de pouvoir créer cette communauté. Pareil, hein, c'est bien de publier, c'est bien de poster, mais de temps en temps, prenez du recul pour suivre vos performances, pour voir les traces que vous avez laissées, si ces traces que vous laissez sont constructives, si votre communauté est en train d'évoluer, si elle est en train de croître. Si vous sentez que ça baisse, il faut vous poser des questions. Donc, quand on parle de performance, c'est en général, dans le jargon du community management, on parle de KPI. Donc, quand on parle de performance, le nombre d'impressions, le nombre de nouveaux abonnés, le nombre de personnes qui se sont désinscrites, le nombre de réactions, la géographie de vos utilisateurs, c'est-à-dire d'où vos utilisateurs proviennent, s'ils viennent principalement de la Côte d'Ivoire, s'ils viennent du Bénin, s'ils viennent du Burkina ou ce genre de choses. Apprenez à regarder vos performances et à comprendre des informations qu'elles vous renvoient. S'il faut revoir votre stratégie, vos performances vous permettront de comprendre s'il faut revoir votre stratégie complètement. Donc, utilisez des outils qui vous permettent de pouvoir comprendre vos performances. Je vais parler des outils tout à l'heure. Ensuite, c'est pareil, hein, soyez utile à votre communauté. Moi, j'essaie de le faire autant que je peux. C'est pas tout le temps que je le fais, mais quand je peux être utile à ma communauté, je le fais. Par exemple, lorsqu'il s'agit de diffuser des offres d'emploi, des demandes d'emploi, pardon, même des offres d'emploi, parce qu'on me demande souvent des profils à embaucher. Quand je le peux, parce que je ne peux pas le faire tout le temps, ma page ne sert pas à diffuser des offres ou des demandes d'emploi, mais de temps en temps, j'essaie de le faire. Donc, c'est une manière pour moi d'être utile à ma communauté. Par exemple, lorsqu'il s'agit de partager le témoignage de femmes battues ou d'enfants en détresse ou de relayer un SOS, j'essaie autant que possible, quand je le peux, de le faire. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut le faire parce que vos réseaux sociaux n'ont pas vocation à servir à ça. Mais quand vous pouvez être utile, essayez de le faire de temps en temps. Ça montre à votre communauté que vous êtes également un être humain, hein, que vous avez des émotions, que vous vous sentez impliqué, que vous avez de l'empathie pour votre communauté et que vous avez de l'empathie pour tout ce qui touche à la vie réelle, tout ce qui touche au social. Donc, c'est une manière de vous rendre utile. Soyez utile de temps en temps à votre communauté. Peut-être les messages de bon anniversaire, en tout cas, quand vous le pouvez. Mais ce n'est pas une obligation, mais quand vous le pouvez, essayez de pouvoir redonner de temps en temps à votre communauté. Et enfin, aussi, si vous le pouvez aussi, organiser des jeux concours. Tout ça, ça entretient la communauté, ça permet de la faire grandir. Quand je dis jeux concours, soit vous avez une collaboration avec une marque, ou bien soit même vous-même dans votre business. Donc, je vais toujours revenir au business de la vente de produits de beauté ou bien la vente de vêtements. Vous pouvez, dans vos produits de beauté que vous vendez, là, pouvoir offrir deux coffrets à vos utilisateurs. Si vous vendez des paniers Ramadan, pendant ce mois de Ramadan, par exemple, faites un jeu concours pour offrir des paniers Ramadan à vos utilisateurs. Si vous vendez des vêtements, pareil, une fois dans le mois ou par trimestre, faites un jeu concours pour vos utilisateurs, pour votre communauté, c'est important. Ça permet de l'entretenir également. Alors, ce qu'il faut retenir pour entretenir la communauté, je pense que c'est les 4 points que je vais citer, vraiment, on résume ce que j'ai dit précédemment. Connaissez votre cible. Connaissez votre communauté, c'est important. Il faut savoir d'où elle vient. Ça passe par l'identification de vos performances. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place par les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ils ont leur propre outil que je vais montrer qui permet de pouvoir identifier vos performances. Et quand vous savez identifier vos performances, vous connaissez votre cible. Mais ça passe pas uniquement par ça. Ça passe par les interactions que vous avez avec votre communauté, les commentaires. J'ai parlé tout à l'heure des contributeurs, des partageurs. J'ai parlé tout à l'heure des ambassadeurs. Identifiez-les, connaissez-les. Essayez de voir un peu ce qui plaît, ce qui ne plaît pas à votre communauté. Moi, je sais, par exemple, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas à ma communauté. Il y a des choses que je vais partager parce que je sais que ça va plaire. Mais il y en a d'autres, absolument pas. Je ne les partagerai pas parce que je sais que ma communauté ne va pas aimer. Je sais que, par exemple, quand je vais publier peut-être à, je sais pas, à 17h ou 16h, il n'y aura pas trop d'engagement parce que ma communauté n'est pas connectée à ce moment-là. Même quand je publie à 18h, tout le monde est en train de rentrer du travail, les gens ne sont pas forcément connectés, ils sont dans les embouteillages. Mais quand je vais publier à partir de 21h à 22h, je sais que les gens sont là parce qu'ils sont rentrés à la maison, ils ont fini de manger, ils ont fini de regarder un programme en prime time et maintenant, ils ont un peu plus de temps pour pouvoir rester sur Facebook. Et je sais qu'à ce moment-là, quand je publie, ma communauté, elle est là. Ou bien quand je publie très tôt le matin, 8h, 9h, je sais que la communauté est là. Donc, connaissez votre communauté, connaissez votre cible. Ensuite, en 2, il faut travailler une stratégie. Surtout quand vous avez un business sur les réseaux sociaux, quand vous avez une marque que vous voulez développer sur les réseaux sociaux, pour laquelle vous voulez développer une communauté, il faut pouvoir avoir une stratégie écrite. Comment vous voyez vos pages de réseaux sociaux dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? C'est toujours important de pouvoir avoir une stratégie. Est-ce que vous allez faire des collaborations avec des influenceurs? Si vous avez votre business de vêtements, votre business de marque de beauté, de beurre de karité, est-ce que vous avez prévu, par exemple, de faire un shooting que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux? Ayez une stratégie écrite. C'est toujours important. Ensuite, utilisez les bons médias sociaux. Quand je dis bons médias sociaux, tous les médias sociaux sont utiles. Mais tout dépend de votre stratégie. Vous n'êtes pas obligé d'être partout en même temps. Moi, par exemple, je ne suis pas sur TikTok. Je n'utilise pas TikTok. Parce que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire pour moi dans ma stratégie, en fait. À une certaine époque, je n'utilisais pas réellement LinkedIn. Parce que, je dis, je suis entrepreneur. Donc, sur LinkedIn, en général, pour moi, c'était véritablement surtout pour chercher du travail, ce genre de choses. Mais depuis 2 ans, j'utilise LinkedIn surtout pour montrer ce que je fais au quotidien et surtout pour interagir avec les jeunes étudiants, les jeunes travailleurs qui sont à la recherche d'opportunités. Identifiez les bons médias sociaux pour vous. Si vous êtes une marque de beauté qui vend du beurre de karité, peut-être que vous n'aurez pas forcément besoin d'être sur LinkedIn tout de suite. C'est pas nécessaire. Parce que même si vous cherchez des fournisseurs, vous pouvez même trouver ces fournisseurs sur Facebook. Donc, vous allez peut-être être sur Instagram parce que Instagram, c'est visuel. Instagram, c'est surtout pour les marques de beauté, de brands, de ce type. Vous allez être sur Instagram, vous allez être sur Facebook pour vendre vos produits. Mais peut-être sur LinkedIn, pas nécessairement. Donc, identifiez les bons médias sociaux pour vous-même, pour votre stratégie et peut-être pour votre marque. Et enfin, en tête, il faut pouvoir avoir un calendrier éditorial. Quand j'étais full active community manager, c'est ce que je faisais le plus. Avoir un calendrier éditorial. C'est-à-dire que je sais, par exemple, que ce lundi, je vais publier une citation à 8h, peut-être à midi, je vais publier un plat de bouffe. Et puis, peut-être le soir, je vais publier une vidéo sur l'actualité, par exemple. C'est ça un peu un calendrier éditorial. C'est-à-dire que c'est votre agenda de publication. Après, ce n'est pas une obligation, hein, mais quand on gère une marque, quand on gère une entreprise sur les réseaux sociaux, on est obligé en tout cas d'avoir un calendrier éditorial parce qu'on ne va pas publier tout comme ça. Voilà. Mais moi, par exemple, je n'ai pas forcément besoin de calendrier éditorial. Je sais à un moment donné ce que je dois publier, ce que je ne vais pas publier. Je sais ce qui va plaire, ce qui ne va pas plaire. Donc, voilà. De temps en temps, c'est vrai que je vais écrire non, peut-être publie ça ce soir parce que ce contenu-là, tu l'as trouvé très intéressant. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire pour moi. Je sais ce que je dois publier et je sais ce qui fonctionne. Mais quand vous débutez, et même quand vous êtes, quand vous êtes un community manager, c'est essentiel d'avoir un calendrier éditorial. C'est nécessaire même d'avoir un calendrier éditorial pour pouvoir suivre vos publications, savoir ce que vous publiez, à quel moment vous le publiez et pourquoi vous le publiez. J'ai parlé tout à l'heure des outils. Principalement, ce n'est pas cet outil-là que j'utilise. Voilà, principalement. Vous créez du contenu, Canva. Voilà, pour moi, c'est le couteau suisse de la création de contenu. Je pense que j'ai même plus besoin de, pour l'instant, hein, en tout cas à ce niveau-là, de web designer ou bien d'infographe pour créer mon contenu parce que il y a Canva. Avec Canva, je peux presque tout faire, que ce soit même faire du montage vidéo, que ce soit faire des animatiques, que ce soit même faire un petit site web ou bien une landing page. Avec Canva, je peux presque tout faire en termes de création de contenu pour mes réseaux sociaux. C'est pareil pour vous. Si vous avez un business sur les réseaux sociaux, vous êtes un site de e-commerce, vous êtes une personnalité publique, vous avez Canva, quoi, pour presque tout faire. Canva.com. Maintenant, pour suivre vos performances, vous avez les outils propres aux différentes plateformes qui existent. Donc, il y a Facebook Business qui vous permet de voir un peu vos différentes publications, les performances de vos publications, qui vous permettent de voir la localisation de vos abonnés, le nombre de personnes qui se sont inscrites, qui se sont désabonnées, permettent de voir également à quel moment vos publications fonctionnent le plus, dans quel timing horaire vos publications fonctionnent le plus. C'est pareil, Twitter le fait, Instagram également le fait. Donc, c'est vrai qu'il y a des plateformes externes qui existent, des plateformes tiers où vous pouvez également suivre vos publications sur les réseaux sociaux, vous pouvez traquer ces publications, traquer les performances de ces publications. Mais je pense que depuis que Facebook et Twitter et Instagram ont développé leurs propres outils, et même LinkedIn, hein, on n'a plus forcément besoin d'utiliser ces plateformes, sauf si, bien sûr, on a envie d'aller un peu plus loin, d'avoir des options avancées. On peut peut-être utiliser ces plateformes tiers. Mais moi, je considère que les plateformes de tracking des performances qui existent directement sur les réseaux sociaux indiqués, Facebook, Twitter, Instagram et même LinkedIn, sont déjà utiles à ce niveau-là. Donc, pas besoin d'aller ailleurs pour pouvoir traquer nos performances. Donc, voilà. J'utilise Canva, j'utilise Facebook, j'utilise Twitter, j'utilise Instagram pour pouvoir traquer les performances de mes publications, surtout quand j'ai des clients qui me demandent un peu le nombre d'impressions que j'ai eues sur mes publications, le nombre de vues, le nombre de réactions, le taux d'engagement et tout ça. Quand Facebook, Twitter, Instagram me permettent de le faire directement sans passer par une plateforme tiers. Voilà, J'ai essayé d'être le plus complète possible et de vous partager surtout mon expérience en termes de création et surtout d'engagement d'une communauté en ligne. Je n'ai pas la science infuse. Les réseaux sociaux évoluent tous les jours. À chaque minute, il y a de nouveaux développements qui se font sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je suis pas sur TikTok, mais je suis une utilisatrice passive de TikTok. Et sur TikTok, on crée même différemment une communauté. Il y a différentes stratégies pour créer une communauté sur TikTok, par exemple. Donc, comme j'aime à le répéter, c'est mon expérience personnelle, mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour voir un peu comment améliorer, comment fidéliser votre communauté pour pouvoir mieux l'engager. Voilà. Merci beaucoup et merci à études.ci pour l'opportunité de pouvoir parler de l'entretien d'une communauté en ligne. Je suis à l'écoute de vos questions. Voilà, merci infiniment à Edith pour cette brillante présentation. Merci infiniment à tous nos internautes. On voit qu'il y a de l'intérêt. Nous comptons beaucoup de questions qui sont posées. Mais avant de passer aux questions de nos internautes, de nos followers, Edith, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je t'ai écouté vraiment attentivement et j'ai une question là je dirais deux questions. La première, c'est lorsqu'on se lance en ligne, au début, c'est souvent très difficile de faire grandir sa communauté. On a souvent l'impression de ne pas avancer, malgré tous les efforts que nous faisons. Donc, on produit du contenu, on essaie de produire du contenu de qualité, on fait tout ce qu'on peut faire, mais on a l'impression de ne pas bouger. En un an, on peut avoir bougé de 500 à 550 ou à 600 abonnés. Alors qu'autour de nous, on voit que ça bouge, les gens ont des milliers d'abonnés par mois. Alors, lorsqu'on vit ce genre de situation-là, quelle est la meilleure attitude à adopter? Qu'est-ce qu'on doit faire, je veux dire, pour contre-attaquer? Je pense que nous, l'avantage qu'on a eu quand on démarrait, en tout cas, l'interface que vous voyez en ce moment de Facebook, de Twitter, d'Instagram, même, c'était pas la même interface, en fait. Il y a 10 ans, il y a 11 ans, le taux d'acquisition de nouveaux abonnés sur Facebook était beaucoup plus élevé parce qu'il n'y avait pas autant de restrictions que maintenant à cause de tout ce qui est fake news, à cause de tout ce qui est diffusion de fausses informations, tout ça. Je crois que le niveau de reach était beaucoup plus grand à l'époque. On était presque à 20 ou 30% de reach organique. Hein. Maintenant, Facebook veut tellement rentabiliser qu'il a diminué ce reach. Je sais qu'à un moment donné, je crois, il y a 3 ou 4 ans, Facebook a diminué son reach pour que les gens puissent payer les publications sponsorisées pour développer leur chiffre d'affaires. Sinon, à l'époque, franchement, j'avoue que c'était beaucoup plus facile parce qu'on n'était pas forcément nombreux. C'est Facebook. À l'époque, on était à 1 million et même on se félicitait de ça. On était très peu nombreux et c'était beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que même avec du contenu de qualité, surtout quand on démarre, ça ne va pas forcément attirer. Déjà, on est nombreux. Déjà, il y a beaucoup de contenu de qualité. Avant d'arriver à votre contenu de qualité, vous aurez beau faire le meilleur contenu, ça ne va pas forcément attirer. Donc, moi, ce que je pourrais donner en termes de conseils, c'est de rester constant. Ce n'est pas une course. C'est vrai qu'on voit les autres se développer en termes d'abonnés et tout, mais je pense que ce n'est pas une course. Après, tout dépend de son domaine. Souvent, il faut faire ce qu'on appelle, en tout cas, moi, c'est ce que j'appelle, j'ai toujours appelé ça, des opérations waouh. Okay. Quand je dis opération waouh, c'est taper un grand coup. C'est ce que les chanteurs de coupé-décalé appellent le buzz, faire du buzz. C'est taper un grand coup. Et ça passe par quoi? Faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. En rapport avec votre marque. Si je reviens toujours à l'exemple de la vendeuse de beurre de karité sur Facebook, qui essaie de vendre son beurre de karité à sa communauté et tout, et qui veut développer sa page Facebook ou son compte Instagram, ben, la stratégie, c'est de miser sur quelque chose qui va faire parler d'elle. Et comment? Si elle trouve le moyen de, comment on appelle ça, de donner son beurre de karité à une star internationale, ou bien peut-être un président, un président de la République par exemple, ou bien la première dame, et que ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais tout de suite, sa communauté va grandir. Ouais, c'est clair. C'est de passer à 10% de plus ou 20% de plus. En fait, il faut faire un wow, il faut faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Ou bien, j'aime bien la stratégie du premier Ivoirien A. Ok. Jean, par exemple, vous avez peut-être, comment je pourrais dire, vous avez une marque de laquais que vous voulez lancer, par exemple. Mmh. Des laquais un peu stylés, ce genre de choses. Mais vous voulez développer votre communauté à un moment donné, la faire grandir à 50% et tout. Soyez le premier Ivoirien, ça c'est un exemple, après c'est pas une obligation. Soyez le premier Ivoirien à sauter en parachute en laquais. Bien sûr, une opération à faire avec les forces armées, le groupement des parachutistes de Côte d'Ivoire. J'ai vu un reportage hier avec des femmes parachutistes. Mais, en fait, parce qu'on peut payer même pour sauter en parachute ici à Abidjan. Bien sûr. Vous renseignez. Vous sautez en parachute, je ne sais pas, ça doit peut-être faire 500 000, je ne sais pas trop. Mais être le premier Ivoirien à sauter en parachute, en laquais. Vous n'aurez même pas besoin de payer les médias pour parler de vous. On va parler de vous. Cadeau. Alors, et voilà. Les gens vont se dire. Chers internautes, sauter en parachute, je ne sais pas qui est intéressé, mais c'est une bonne idée. C'est un exemple, mais si vous voulez marquer un coup, réfléchissez à quelque chose d'inédit qui n'a jamais été fait. Et où, quand on va parler de vous, on va dire le premier Ivoirien ou la première Ivoirienne A. Ça a toujours fonctionné. Ou bien, vous faites une photo avec, je ne sais pas, André Emmanuel Macron, ou bien je ne sais pas, what. Mais trouvez quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et qui est associé à vous-même ou à votre produit. D'accord, Edith. Alors, on considère qu'on a fait cette chose, waouh, là. On est sur une belle pente. Alors, en ce moment-là, comment on fait pour maximiser? C'est ma dernière question avant de prendre celle des internautes. J'ai fait quelque chose de waouh et on parle de moi un peu partout. Comment est-ce que je fais en ce moment-là pour maintenir le cap? Pour maintenir le charme, entretenez votre communauté. C'est tout. C'est-à-dire que le gars, il a sauté en parachute et en laquais, ça fait le buzz. On a parlé de lui, article de presse, article, il a été invité et tout et tout et tout. Et ces laquais sont en production, c'est disponible sur la page et tout. Ok, tu vends tes laquais, tu fais des publications pour vendre tes laquais, mais l'objectif, c'est pas de vendre les laquais, c'est de vendre l'esprit autour de tes laquais. Donc, il faut créer du contenu de qualité, tout simplement. Et le contenu de qualité est forcément lié à votre domaine d'activité. Donc, par exemple, publier des photos de personnalités qui ont porté vos laquais, ou bien, par exemple, donner des conseils pour entretenir vos laquais, donner des conseils pour entretenir des chaussures, parce que les laquais, c'est des chaussures aussi. Donc, vous pouvez toucher tous ceux qui sont passionnés de chaussures, par exemple. Il faut créer du contenu de qualité qui intéresse votre communauté, qui aime des chaussures, qui aime les laquais. En général, ceux qui portent des laquais, ce sont des gens qui sont, on va dire libres dans la tête, qui ne se prennent pas la tête. Si je prends, par exemple, les jeunes branchés qui ne se prennent pas la tête, les jeunes du quartier qui aiment faire des blagues, créer du contenu autour de l'Ivoirien qui n'aime pas se prendre la tête, mais qui se prend au sérieux et qui porte des laquais. Et ça, ça peut être des blagues, ça peut être des histoires drôles autour des laquais, autour des chaussures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, en fait. Il faut maintenir le charme en créant du contenu qui plaît, mais qui correspond à l'activité dans laquelle vous vous trouvez, en fait. D'accord. Alors, on va prendre une première question de ceux qui nous suivent, ceux qui nous font l'amitié de nous suivre. Fatim Nianou elle pose la question suivante. Est-ce conseillé, lors des publications sur les pages, sur les réseaux sociaux, d'identifier les personnes qui sont abonnées mais qui ne réagissent pas à vos contenus? Les personnes qui sont abonnées, quand vous dites les personnes qui sont abonnées, c'est-à-dire quand vous avez vu dans vos publications, ou bien c'est une personnalité. Bon, attends, Fatim Yano, est-ce que vous pouvez nous préciser votre question? Voilà, et vous nous précisez votre question par commentaire. On va vous... Je vois qu'il y a plusieurs questions de Fatim Yano. Hein. Elle a également demandé comment ce commentaire capable de nuire à l'image de notre marque. Donc, bah, je pense que ça... Ne supprimez pas les commentaires négatifs. À la limite, vous laissez passer. OK. Sauf si c'est vraiment, soit ça incite à comment je peux dire, à la mort, c'est des propos xénophobes, c'est des propos, comment je peux dire, en dessous de la ceinture, ce genre de choses. Mais sinon, si vous avez une réponse à ce type de contenu, répondez poliment. Surtout si vous êtes une marque, répondez poliment. Mais la plupart du temps, ignorez. Sauf si c'est vraiment nécessaire de répondre parce qu'il y a quand même une préoccupation derrière. Mais sinon, si vous le pouvez, envoyez un message à la personne pour comprendre sa préoccupation. Mais ne réagissez pas au même niveau de ton que la personne quand il s'agit de commentaires négatifs. D'accord? Après, tout dépend. Hein, qu'on soit un profil de personnalité publique, ou bien qu'on soit une marque, ou bien qu'on ait son business de beurre de karité. Si vraiment les commentaires de ce type sont récurrents, c'est qu'il y a un problème. OK. Il faut comprendre, il faut demander qu'est-ce qui se passe, comment je peux vous aider, quelle est votre préoccupation, pourquoi vous avez posé cette question, pourquoi vous avez fait ce commentaire et tout. Mais sinon, c'est forcément à un moment donné, vous allez recevoir des commentaires de ce type, mais la plupart du temps, c'est pas très pertinent. Mais si ça se répète régulièrement, essayez de rentrer dans l'inbox de la personne pour comprendre ce qui se passe réellement, pour pouvoir, on va dire, l'aider à comprendre la situation, en fait, pour comprendre la situation. Mais ne supprimez pas les commentaires, sauf si c'est des commentaires pédophiles, des commentaires pornographiques, des commentaires xénophobes qui incitent à la violence, qui incitent au meurtre. Là, il faut les supprimer parce que l'autorité de régulation et la PLCC peut vous tenir comptable de laisser ce genre de commentaires que je viens de citer, pornographiques, pédopornographiques, qui incitent à la haine, qui incitent au meurtre, qui incitent à la xénophobie. On peut vous tenir comptable de ces propos. Donc, en dehors de ça, soit vous ignorez, si ce n'est pas vraiment pertinent, sauf si ça se répète régulièrement, essayez de comprendre en rentrant en contact avec une des personnes qui poste régulièrement ce type de commentaires négatifs sur votre marque ou bien sur vous-même. D'accord, merci infiniment pour cette réponse pertinente. Il y a également Pascal Guillet et Carré, je pense bien. Quelle stratégie pour une personne qui a plusieurs activités différentes, professionnelles, sociales? Est-ce que cette personne-là doit créer une communauté basée sur la personne du dirigeant ou plusieurs communautés par activité? Plusieurs communautés par activité. Ne mélangez pas tout dans le même plat. C'est-à-dire que vous êtes un dirigeant, vous voulez développer votre image de personnalité qui est expert dans le domaine de la comptabilité. Soit vous travaillez dans une entreprise, mais vous avez d'autres ambitions. Donc, vous développez votre image personnelle, votre personal branding autour de votre personne. Mais si vous avez d'autres activités en dehors de celle d'être un dirigeant, par exemple, vous avez votre business de cirage de chaussures Weston, ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez une page qui est dédiée à ça. Soit c'est une communauté, un groupe Facebook de passionnés de Weston, soit c'est votre business de cirage de chaussures de Weston. Mais vous ne mélangez pas les deux, en fait. Mm-hmm. Je le dis à chaque fois, vous avez toujours cette stratégie-là en tête. Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux être identifié comme Monsieur Zao, entrepreneur dans le cirage de chaussures Weston? Ou bien est-ce que je vais être identifié comme Monsieur Zao, leader d'opinion qui parle de sujets qui l'intéressent, mais qui à côté a son business de cirage de chaussures Weston? Donc vraiment, vous devez avoir cette identifier votre stratégie d'abord. Où est-ce que vous voulez aller? C'est quand vous avez identifié ça que vous pourrez dire, OK, je mets tout dans le même plat parce que tout ça, c'est moi. Ou bien, je sépare, je fais des cloisons. Il y a moi, en tant que leader d'opinion, M. Zao, qui m'exprime sur des sujets qui m'intéressent, l'actualité, comment on appelle ça, l'employabilité des jeunes. Et puis, j'ai mon business de tirage de chaussures. Et puis, à côté, je suis, comment on appelle ça, membre actif d'une ONG qui soutient les orphelins. Mélangez pas tout. Identifiez votre stratégie d'abord, avant de créer ces différentes pages de réseaux sociaux. D'abord, c'est important d'avoir écrit ça et de savoir où vous voulez aller. Tout est possible. Vous pouvez tout mettre dans le même plat ou bien séparer. Mais pour ça, il faut identifier votre stratégie. Où est-ce que je vais aller? Comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Et en fonction de ça, vous faites votre stratégie. Soit j'ai plusieurs pages pour mes business, soit c'est une seule page pour toutes mes activités, soit c'est une page qui parle uniquement de moi, de ce que je fais au quotidien et qui n'a rien à voir avec mes business à côté. D'accord. Merci infiniment. Alors, je rappelle que nous sommes au 20e webinaire de études.ci et le thème qui nous réunis ici ce matin, c'est comment créer et entretenir sa communauté en ligne. Nous sommes avec Edith Brou, qui est en train de nourrir notre intellect dans ce secteur d'activité très important. Alors, on va continuer avec les questions, mais j'aimerais rassurer Florent Nta, qui demande est-ce qu'il est possible de réécouter encore après ce webinaire. Il sera enregistré sur les différentes plateformes d'études.ci. Donc, il ne faudra pas s'inquiéter. Pour ceux qui sont venus en retard, vous pourrez écouter ce webinaire-là depuis le début. Voilà, donc on ne s'inquiète pas pour ça. On profite également pour vous demander de vous abonner massivement à études.ci pour ne rien rater des prochains webinaires. Alors, il y a Stéphanie Sandrine Kouadjo qui envisage de créer un blog pour partager ses passions dans divers sujets. Alors, elle demande, est-ce qu'il est pertinent de le faire ainsi ou pas? Est-ce qu'il est pertinent de créer un blog, partager sa passion? Ou est-ce qu'elle doit créer un blog pour parler de cuisine et un autre pour la culture? Donc, c'est-à-dire, elle crée un seul blog pour parler de toutes ses passions ou elle crée un blog pour chacune de ses passions? Ça rejoint, je crois, un peu la question. Si. Tout dépend de votre stratégie. Parce que soit vous parlez de tout et vous maîtrisez chacun des aspects que vous abordez, soit vous parlez de quelque chose que vous maîtrisez le plus. Parce que vous voulez éviter que les gens se perdent un peu, surtout quand vous débutez. Quand vous êtes arrivé à un certain niveau de notoriété, vous pouvez vous permettre de parler des sujets qui vous touchent réellement, en fait. Mais quand vous débutez, surtout que vous êtes ce qu'on appelle un nano, vous voulez devenir un nano-influenceur, les marques s'intéressent de plus en plus aux influenceurs ou aux blogueurs de niche. Ils n'ont pas forcément de grandes communautés, mais qui ont une communauté qu'ils réunissent autour d'une passion. Parce que sinon, si vous faites tout en même temps, on ne pourra pas vous identifier, en fait. Moi, par exemple, je connais très peu ou presque pas, parce que ça a été depuis le départ. On n'a jamais vu ça, en fait. Un blogueur spécialisé dans la finance ou même dans l'éducation financière. Je ne sais pas, peut-être que maintenant ça existe ici, en Côte d'Ivoire. Mais par exemple, ce profil-là, à un moment donné, il y a plein de banques qui me demandaient, mais je n'en avais pas en fait, sous la main, par exemple. Les marques recherchent des profils de niche. Vous pouvez avoir différentes passions dans différents sujets. Mais je pense que pour démarrer, c'est mieux de vous concentrer sur un seul sujet, sinon on va vous perdre. Il y a des blogs de voyage. Parce que ces personnes-là partagent leur passion, des endroits qu'elles découvrent, des endroits qui les ont marqués. Et elles le partagent à travers des articles de blog ou bien à travers leur profil Instagram, par exemple. Moi, en tout cas, mon conseil, ce serait de vous concentrer sur l'un des deux. Soit la culture, soit la cuisine. Sinon, quand c'est fourre-tout, c'est compliqué. En tout cas, si vous avez une ambition de collaborer avec des marques, pour ne pas les perdre, soit la cuisine, soit la culture. ou bien vous faites les deux séparément. D'accord. Vous faites les deux séparément. Mais mon conseil, concentrez-vous sur la passion numéro 1. Si on vous dit de choisir, vous avez, on vous torture, on vous dit entre la cuisine et la culture, qu'est-ce que vous choisissez? La première chose qui vous vient en tête, c'est ça que vous devez développer. Tout de suite. L'autre, ça veut dire que c'est secondaire. L'autre, c'est secondaire. Si on vous met, je suis désolée, une arme sous la tempe, on vous dit entre la cuisine et la culture, qu'est-ce que tu préfères? Le premier mot qui vous vient en tête, c'est ça que vous devez développer. L'autre, ça peut venir après dans un autre blog. Mais concentrez-vous d'abord sur la passion numéro 1. D'accord, merci infiniment Stéphanie. Je pense que tu as ta réponse. Hein. Il faudra suivre scrupuleusement les recommandations d'Edith. Je pense que ça pourra t'aider. Alors, il y a Guy Landry Boy 225 qui insiste, qui... Ah le non, lui, c'est le super fan. Hein. Franchement, ouais, il est dans mon WhatsApp tous les jours. Il est dans ma inbox. Franchement. Voilà. Donc, il fait partie des 1%. C'est ça, il fait partie des 1%. D'accord. Lui, c'est le 1% là. Alors, il demande comment devenir un community manager. Bon, actuellement, il y a des formations. À notre époque, en 2009, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de formation diplômante et tout ça. Maintenant, il y a des cours qui existent. Il y a l'ESMA, École des spécialités multimédia d'Abidjan, qui existe et qui donne des formations. Mmh. Mais il y a aussi des formations en ligne qui existent, des certifications en ligne qui existent. Nous, on pouvait se permettre de dire qu'on a appris sur le tas parce qu'il n'y avait rien du tout à l'époque, il y a 11 ans, il y a 12 ans. Donc, moi, j'ai appris sur le tas grâce à des formations en ligne, grâce à ma pratique des réseaux sociaux, Facebook principalement à l'époque, et au blog que je lisais en fait. Mais vous, votre époque là, maintenant là, il y a des cours partout, que ce soit gratuit ou pas. Apprenez les bases. Il y a des cours gratuits en ligne, apprenez les bases. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer une école, parce que vous n'avez pas les moyens de payer une école, il y a des cours gratuits en ligne qui existent, comme sur Open Classroom. Vous pouvez suivre des formations de base sur le community management. Maintenant, pour être un bon community manager, il faut gérer des pages, une page ou des pages, pour vous mettre en situation, pour voir vos erreurs, tout de suite les identifier, les corriger. Ou bien, vous pouvez proposer vos services gratuitement à une ONG, si vous êtes dans une église ou bien à la mosquée ou dans une association dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez proposer gratuitement vos services pour gérer la page de ces entités-là, pour vous mettre en situation et puis voir vos erreurs. Vous allez forcément faire des fautes d'orthographe. Vous allez forcément faire beaucoup d'erreurs. Mais au moins, vous faites des erreurs avec ce type de profil de page et demandez à des personnes qui ont une certaine expertise de voir un peu ce que vous devez améliorer, ce que vous devez corriger. Ou bien ce sont même les utilisateurs de cette page-là qui vont vous corriger. Et puis au fur et à mesure, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez. C'est comme ça qu'on devient un community manager. D'accord. On se forme, on fait les bases, on apprend les bases, on fait des erreurs, on les corrige, on fait des erreurs, on les corrige, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une grande agence ou une grande entreprise nous fasse confiance maintenant pour gérer ces réseaux sociaux. Voilà. Donc, formation, il y a plein de formations en ligne gratuites, comme Open Classroom ou d'autres. Ensuite, apprenez à gérer des pages gratuitement, proposez vos services gratuitement. Vous pouvez faire des erreurs sur des petites pages. Et puis ensuite, maintenant, quand vous avez l'opportunité de gérer d'autres des entreprises et tout ça, vous pouvez passer à la prochaine étape, en fait. Mais les cours sont disponibles en ligne. Formez-vous, c'est important. D'accord. Formons-nous, c'est très important. On approche allègrement hein, vers la fin de ce webinaire. Malheureusement, tout a une fin. Alors, on va prendre, je crois, deux questions et ce sera tout. Il y a Joël Maté, voilà, qui te remercie pour ta tout en payant de présentation. Et elle dit, est-ce que ne pas attacher son image, donc son personal branding à son entreprise, est-ce que ça réduit les chances de faire grandir sa communauté? Tout est question de stratégie, en fait. Tout est question. Si vous avez une personnalité forte de leader et que vous pensez que le fait d'associer votre image à votre business peut faire grandir votre communauté, si vous êtes quelqu'un de timide, je ne vous recommande pas parce que ça va être un flop. Mais si vous êtes quelqu'un de charismatique à la base et que vous pensez que le fait d'associer votre image peut permettre à votre business de vente de sacs de se développer, faites-le. En fait, tout est question de la personne qui porte l'entreprise. Si vous n'êtes pas un leader, vous n'avez pas de choses à partager personnellement, de valeur, parce que les personnes qui associent leur image à leur business, par exemple, la vente de sacs. Quand je prends par exemple Alice Yapa. Alice, elle est charismatique. Sa stratégie, c'est en plus de montrer ses sacs, elle partage ses valeurs. Je pense que vous connaissez Alice Yapa, Aliwax, pardon. Oui, Aliwax, oui. On confond tellement les deux que, c'est que même si vous la rencontrez aujourd'hui, peut-être que vous avez vu sa photo avec son sac, vous avez vu Aliwax, vous allez l'appeler peut-être Aliwax sans faire exprès, parce qu'elle a réussi ça. Mais parce que Alice, elle est charismatique. Elle est tellement passionnée par son business qui est son bébé que l'un ne peut pas exister sans l'autre pour l'instant. C'est que si par exemple Alice n'est plus derrière Aliwax, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de souci, en fait, parce qu'elle a quand même réussi à donner une âme à Aliwax. Donc, à tout moment, même si elle décide de vendre son business, elle a réussi à faire de Aliwax une marque de sac de luxe qui plaît, qui intéresse. Donc, pour pouvoir faire l'association de votre image, votre personal branding à votre entreprise, il faut que vous-même, vous ayez ce charisme naturel, que vous ayez des valeurs à partager et que vous racontiez une histoire. Parce que ce que Alice fait, c'est du storytelling. Alice raconte au quotidien, elle embarque les abonnés de Aliwax dans son voyage entrepreneurial. Pour ceux qui l'ont vu dès dans les débuts jusqu'à maintenant, ils ont eu la chance de voir son parcours entrepreneurial, en fait. Donc, en même temps qu'elle vend ses produits, en même temps qu'elle a réussi à associer son produit à une communauté de femmes leaders et tout, qui portent ses sacs et tout, donc elle donne envie aux autres de pouvoir ressembler à ces femmes en portant ce sac, elle a réussi à partager son parcours entrepreneurial d'entrepreneur, ses difficultés. Elle a été cash, elle a toujours été cash jusqu'à présent. Elle montre quand ça va, elle montre ses difficultés, elle montre ses accomplissements, elle montre les choix qu'elle fait, elle fait même participer sa communauté au choix des designs de certains de ses sacs. Elle donne, par exemple, des noms de femmes, de personnalités féminines ivoiriennes à certains de ses sacs. Mais parce que Alice a ce charisme. Donc, si vous, Joël, Mathé, vous pensez que vous avez ce charisme-là, que vous êtes capable de faire du storytelling autour de votre entreprise et de le porter au quotidien et tout, parce que ça demande du travail, ça demande de l'implication, vous pouvez le faire. Moi, je vous le conseille. Parce que vous savez que vous êtes capable de le porter, vous avez du charisme, vous avez ce leadership naturel et que vous êtes capable de raconter des histoires. Et quand vous arrivez à raconter des histoires aux internautes, à les faire voyager, à les faire rêver, ils vous suivent. Parce que vous les inspirez. En fait, c'est ça. Si vous arrivez à inspirer les gens, vous êtes capable d'associer votre propre image à votre entreprise. C'est ce que Alice fait. C'est ce que le fondateur de Apple a fait. C'est ce que Jeff Bezos a fait. C'est ce que surtout Elon Musk fait au quotidien. Donc, si vous êtes capable de faire, vous êtes un leader. En fait, tous les leaders, c'est ceux qui associent leur marque à leur nom. Mais si vous n'êtes pas capable, séparez. Vendez le produit. Misez sur la qualité du produit. Et puis, séparez votre image. Peut-être on ne sait pas qui est derrière. Par exemple, on ne sait pas qui est derrière Zalando. Je veux dire, quand vous allez sur peut-être un site comme Jumia, vous vous en foutez de qui est le fondateur de Jumia. Vous vous attirez les produits de Jumia. Parce que le service vous offre, le site de e-commerce vous offre ce que vous cherchez, des produits à acheter quand vous livrez à la maison, c'est tout. Le fondateur de Jumia, vous en foutez. Parce que c'était pas leur objectif, en fait. Mais si vous pensez que vous êtes charismatique, que vous êtes capable de faire ça, allez-y. Merci infiniment, Edith. On va y aller pour la dernière question avant la conclusion. Ce sera celle de Kofi Kwaku Daniel. Il dit, je suis salarié et je suis passionné par le web. J'ai un blog sur la santé naturelle. J'aimerais que vous me donniez des pistes pour mon positionnement sur cette niche. Des pistes pour vous positionner sur votre niche. Bon, en tout cas, vous êtes bien positionné parce que je connais très peu de blogs sur la santé naturelle. Voilà, donc déjà à la base, vous êtes déjà dans une niche, vous êtes déjà positionné sur une niche. Maintenant, c'est comment vous développez une stratégie autour pour mieux faire connaître votre blog aux internautes, à la communauté. Et c'est pareil, on revient à ce que j'ai dit au départ dans la présentation. Il faut créer cette communauté, il faut l'entretenir. Donc, il faut identifier les besoins, les personnes qui ont besoin d'améliorer leur santé et qui recherchent du bio. Normalement, dans la partie Facebook Business Manager, vous pouvez identifier les personnes qui ont choisi comme son intérêt la santé, le sport, parce que les personnes qui peuvent être intéressées par votre blog de santé naturelle, c'est des personnes qui cherchent à manger sain, des personnes qui cherchent à manger bio, des personnes qui cherchent, qui font du sport pour maintenir une meilleure forme de santé, les personnes qui sont intéressées, par exemple, qui sont malades et qui cherchent des méthodes alternatives de santé et tout ça. Donc, identifier ces personnes qui ont ce centre d'intérêt là et qui peuvent être intéressées par ça et trouver le moyen de les toucher. Commencez d'abord par la personne qui peut être intéressée par votre contenu avant de chercher à agrandir votre communauté. Donc ça passe par exemple sur Instagram. Vous pouvez choisir des hashtags nature, santé, sport, bio et tout. Et puis voir la personne qui en parle. Pareil sur Facebook, dans la partie recherche là, tapez santé naturelle, Abidjan, sport, Abidjan, fitness, Abidjan, comment je pourrais dire, bio, Abidjan, plantes naturelles. Regardez tout ça. Vous voyez les groupes Facebook autour de ces thématiques. Et puis, allez-y, partagez votre contenu là-bas. Par exemple, quand il y a des groupes fitness de sport qui font des trucs à Sokocé, qui font des choses à 6 heures du matin à l'université de Cocody, ben, allez-y là-bas, faites le sport aussi. Et puis, quand vous finissez de faire le sport là, ah, moi, voilà, je parle de santé naturelle, voici des conseils. Demandez-leur à prendre la parole au coach en disant, ah, coach, vraiment, voilà. Commencez comme ça, c'est-à-dire que vous allez dans les endroits où les gens ont ces besoins-là. Ils ont besoin de parler de santé naturelle parce qu'ils sont intéressés par le sport, ils sont intéressés par tout ce qui est bio et tout ça. Et puis, quand vous êtes là-bas, prenez la parole. C'est gratuit. Ah bonjour, moi je suis Monsieur Kofi. J'ai un petit blog là, je parle de santé naturelle, voici les conseils que je donne en général. Et ça a été beaucoup apprécié et tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Voici ma carte de visite et tout. Donnez-moi vos contacts et tout ça. Je vais vous proposer de bons produits de santé naturelle parce que vous voyez, moi, là, par exemple, j'avais des problèmes comme ci et puis j'ai commencé à appliquer ce que moi-même je dis et voici comment je me porte. Donc, c'est comme ça qu'on construit sa communauté. C'est tous les blogs parce que maintenant, on va très peu sur les blogs parce qu'il y a beaucoup de barrages, il y a la distraction sur les réseaux sociaux. Donc, même taper même une adresse, vous dites, je vais aller lire le blog de Monsieur Kofi Kwaku Daniel. Vraiment, il faut vraiment qu'il n'y ait même pas de buzz sur Facebook, sur Twitter et tout ça. Il ne faut même pas que ces réseaux sociaux-là même existent. Avant qu'il n'y ait pas ça, on allait naturellement sur les blogs, on tapait l'adresse pour dire on va aller voir le blog. Mais maintenant, là, c'est compliqué. Donc, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle les techniques de growth hacking, c'est-à-dire des techniques pour hacker la croissance, pour passer de 0 à 100 rapidement. Et ça, c'est ce que je viens de dire. Vous tapez dans Google, santé, bio, Abidjan, fitness, sport à 6 heures du matin, coaching sportif, coach sportif, bio, gombo naturel. Tapez tout ça. Et puis, vous identifiez toutes les pages des groupes de communautés qui parlent de ça. Il y a des groupes de mamans, là. Des groupes de Aumont, de Mélissa Satoumbi. Elle aime tout ce qui est bio parce qu'elle fait des recettes pour les enfants, mais naturelles. Approchez-la. Elle a un groupe d'au moins 20 000, 30 000 femmes. Vous faites une collaboration avec elle, vous l'interviewez. Mais quand vous allez l'interviewer, là, elle va partager le lien de votre article à sa communauté. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de techniques de growth hacking pour pouvoir développer votre blog. Vous êtes déjà positionné sur une niche. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est comment développer la visibilité de votre blog, mais surtout proposer un contenu de qualité. C'est bien d'être sur une niche, mais il faut proposer des articles de qualité qui n'ont pas de faute d'orthographe, de bons visuels, de bons conseils et du bon contenu, en fait. Et puis, si vous avez ça, il suffit juste d'identifier là où les gens qui ont besoin de manger sain, bio, qui font du sport là à fond, allez les rencontrer, prenez la parole, proposez vos services pour prendre la parole dans des endroits et tout ça. On va vous remarquer au bout d'un moment. Dans toutes les sessions de coaching, de sportifs à 6 heures du matin, ce côté capsule des consoles là. Oh, tu mais c'est le gars là, c'est le blogueur là qui parle de santé là. Portez un t-shirt, maintenant on a écrit le nom de votre blog. Comme vous allez au supermarché, mettez ça dans le dos là. Bien visible. T-shirt noir, c'est le nom, mettez ça derrière. On va pas vous rater. Tous les jours vous portez ça. Tous les jours vous portez ça. Pour aller faire le sport et tout. Voilà, c'est une technique, c'est des techniques. Merci infiniment. En tout cas, on reçoit beaucoup de belles choses. Les absents auront tort, mais non, pas totalement, puisqu'ils pourront se connecter plus tard pour suivre en entièreté ce webinaire. Edith, il y a encore des questions qui viennent, mais bon, on doit savoir s'arrêter. On est là depuis bientôt 1h30. Nous allons prendre ton mot de fin et puis donner des informations très importantes à tous ceux qui nous suivent actuellement. Internet, c'est une phrase que Jean-Patrick Aumont disait à l'époque. Comment faire d'Internet son champ de café cacao? Je pense que pour vous, en fait, Internet, c'est ça, en fait. Il suffit juste de bien exploiter. Il suffit juste de connaître des bonnes techniques pour pouvoir améliorer la croissance de vos profils de réseaux sociaux, identifier votre stratégie, là où vous voulez aller et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous documenter. Tout ce que vous devez savoir pour développer votre communauté en ligne existe déjà. Il y a des vidéos YouTube, il y a du contenu partout en fait. Mais surtout, testez, essayez, faites des erreurs, corrigez, testez, essayez, faites des erreurs, corrigez pour pouvoir améliorer votre présence en ligne et puis développer votre communauté. Mais d'abord et principalement, soyez utile à cette communauté. Donnez d'abord à cette communauté. Quand vous allez suffisamment donner, à un moment donné, on va se demander, mais le gars là même, là, ou bien la go là, elle me donnait des éléments, elle m'apportait du contenu intéressant, mais je ne la vois plus. Où elle est, où il est et tout. Pour qu'on sente votre absence. Donc, n'hésitez pas à construire votre communauté. Faites des erreurs, corrigez-les, améliorez-les. Continuez à vous documenter, continuez à vous former. Voyez ce que les autres font. Analysez la stratégie des autres pour voir les meilleurs éléments, les meilleures pratiques et appliquez-les à votre propre stratégie de développement de communauté, à votre propre stratégie de brand content, à votre propre stratégie de personal branding. Voilà, tout est disponible, mais surtout soyez curieux. La curiosité, c'est l'une des meilleures, la bonne curiosité bien sûr. La curiosité pour améliorer votre connaissance, c'est la clé en fait. Voilà, merci infiniment à Edith Brou, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Edith, nous savons ton programme très chargé, mais malgré cela, tu as bien voulu nous entretenir pendant 1h30. C'est une grande bénédiction. Alors, on va te dire grand merci. Vous pouvez suivre Edith Brou, hein, elle est présente sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, Et YouTube. Et puis TikTok. Sauf TikTok. C'est TikTok que je regarde seulement. C'est qui c'est fait. Tu as YouTube aussi? Oui, j'ai YouTube, mais j'utilise moi YouTube, non. Je mets juste des vidéos comme ça pour les stocker, mais non, pas vraiment. D'accord. Pas nécessaire pour moi en plus. Est-ce qu'il y a une information à passer sur ton actualité, sur ce que tu prépares, ce que tu es en train de faire, qui pourrait intéresser les gens? Ben là, je vais animer une émission sur des femmes sur Life Radio. Okay. Donc, Vibe Radio qui devient Life Radio à partir du 15 avril. Mmh. Donc, l'émission va s'appeler Woman Up. Et je serai avec Frédéric Leninger qui m'accompagne. Donc, chaque samedi à 14h, de 14h à 15h, je vais animer une petite émission radio. Voilà. Donc, je suis toujours dans le domaine de l'audiovisuel en plus de la télé. Et puis, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux. Je fais aussi des spaces une fois chaque 2 semaines sur Twitter. Des spaces qui parlent de thématiques sur la technologie, sur la créativité, sur l'entrepreneuriat. Ça s'appelle Didi Space. Et c'est chaque 2 vendredis en 15 à partir de 18h30. Voilà. D'accord. Merci infiniment. Alors... avant de se quitter, nous avons des informations très importantes pour vos chers internautes. Après le webinaire avec Edith Brou, il y a le webinaire portant sur l'entrepreneuriat, entreprendre pendant qu'on est jeune. J'ai vu Rita Mani qui a demandé « J'aimerais savoir comment être un bon entrepreneur ». Alors, c'est vrai que Edith pourrait te donner des éléments de réponse, mais il y a ce webinaire-là qui s'affiche à l'écran. Le webinaire 21 avec de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, Samuel Sévi. Donc, ce sera le samedi 16 avril 2022, donc dans pratiquement dans 2 semaines exactement, à partir de 10h30 sur les mêmes canaux. Entreprendre jeune, comment s'y prendre? Alors, si vous avez une passion pour l'entrepreneuriat, si vous êtes un aspirant à l'entrepreneuriat, et donc ce sera une belle occasion pour vous d'écouter quelqu'un qui a commencé à entreprendre très tôt et qui aujourd'hui est une référence. Donc ce sera gratuit, il faudra tout simplement vous inscrire et puis participer, préparer également vos questions parce que nous savons que vous en aurez énormément. Et on termine avec les informations, avec cette information portant sur des formations préparées par études.ci, donc Digi Transformation en ligne, 12 séances pour développer ses compétences en social media marketing avec l'expert Rodrigue Kouabénan que nous avons eu également ici en webinaire qui nous avait entretenu sur le personal branding, vidéo d'ailleurs qu'on peut retrouver sur les plateformes de études.ci, la rédaction web avec votre serviteur Yannick Djanhoun, donc avec moi, et le copywriting avec Moïse Marotana. Et donc, ce sont 4 séances de 2h30 chacune. Et ça se passera du samedi 7 mai au dimanche 12 juin. Et ce sera 100% en ligne, donc les samedis et dimanches de 18h à 20h30. Donc, le coût de la formation s'élève à hauteur de 55 000 francs et vous aurez à la fin de la formation un certificat reconnu par le FDFP. Voilà. Donc, vous avez le visuel de cette formation, cette série de formations-là qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à contacter études.ci. Ismaïla, est-ce qu'on a le contact qui peut s'afficher en ligne là que éventuellement nos internautes puissent nous écrire? Sinon, vous pouvez vous rendre sur les pages Facebook, chaîne YouTube, LinkedIn et écrire en inbox. Il y aura forcément quelqu'un qui très rapidement prendra le grand plaisir de vous répondre. Voilà, merci infiniment à tout le monde. Ismaïla, on a tout dit. Hein? Voilà, merci infiniment Edith. C'était un grand plaisir et puis que Dieu te bénisse. Merci. On est à la maison. Ah, carrément. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Bon week-end à tout le monde. Demain sera meilleur.